Hello la compagnie. Félicitations. Ça va Irène? Félicitations, hein. Ça va? Oui, ouais. Félicitations. Et le petit cadeau. Super, rentre. J'arrive pas à croire que tu vas être maman. Hein. Ah bah, je te rassure, moi non plus. Hein. Ah bah. Ah non, mais attendez. Mais ça va, elle gère. Elle gère. Ça fait quoi, là, ton arrivée? C'est la pression. Et moi qui porte la vie, quoi. Ça, c'est mon préféré. C'est quoi ce truc? Un polochon de grossesse. Ah, hein? Oh, c'est hyper confortable. Moi aussi, je suis hyper confortable, non? Hein? Exactement. Mais c'est marrant parce que c'est pas tout le monde, hein, finalement. Quoi? Ah, salut, Ben. Bah oui, Ben. Bien dormi? Ben super, ouais. Vous parlez de quoi? En fait, on parlait de... Non, bah, laisse tomber, fallait être là. Bon, allez, moi, faut que j'y aille. À tout. À ce soir. Maman, je peux te poser une question? Hein? Oui, quoi? Pendant ta grossesse, t'as jamais eu l'impression genre que papa il se sentait un peu exclu? Exclu? Mais exclu de quoi? Ben, je sais pas, moi c'est vraiment comme si on me disait merci pour tes spermatozoïdes, maintenant tu sers plus à rien, tu peux mourir tranquille. Bah avant qu'il se tire, ça se passait très bien, hein? Oh! Excuse-moi, mais j'ai un déjeuner. Allô? Oui? C'est Ted? Ted? Oui. C'est Ted? Non, laisse tomber, fallait. Excuse-moi, mais j'ai un déjeuner. Non, mais Ted, c'est exactement ce que je ressens. C'est Ted? C'est moi, je suis rentrée. Coucou! Ça va ou quoi? Ça va, je suis crevée. Oui. C'est mon t-shirt, ça. Tranquille. Hé, regarde ce qu'on a trouvé. Un bavard nounours. Trop mignon. Super. Mais t'aimes pas? À mon avis, on s'en fout, non? Mais qui est-ce que t'as? Hein? Non, mais t'as un problème, hein? Non, non, j'ai pas de problème. Si, je te confirme, t'as un problème. Non, non, je... Je suis désolé, rapport au t-shirt. Je voulais juste qu'il ait la même odeur que toi. Emma? Il me plaît bien le bavoir nounours. Attends, attends. Bien, je me confirme. Et dites, docteur, je voulais vous demander, parce que je voudrais changer la photo de ma carte vitale, parce que j'en ai pas du tout, je me trouve horrible dessus. Et en fait, comme une fois je me suis fait voler mon portefeuille, j'avais changé, mais c'est très compliqué de changer ça. Je sais pas. Est-ce que je dois faire une déclaration de perte ou plutôt... J'en doute, oui.
Oui, une petite crampe. Ouais. Et vous n'avez pas internet, vous? Non, j'ai pas internet, non. Tiens,